entendre parler des subventions des États-Unis dans le cadre du programme Self-Help Auto-Assistance. 8 000 dollars pour chaque projet. Le fonds Self-Help est destiné à améliorer les conditions économiques et sociales de base au niveau local. 9 régions sont concernées. Louise Bitsa. Les projets qui ont été acceptés proviennent de 9 des 14 régions du Sénégal, plus précisément de Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kédougou-Kolda, Matam, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor. Cette année, les projets retenus concernent les secteurs de l'environnement, de l'éducation, de l'agriculture et des activités génératrices de revenus. Ils étaient ici aujourd'hui pour signer les contrats. C'est un fonds de 50 000 $ chaque année pour les petits projets au Sénégal. Nous avons une petite concurrence et les communautés proposent les projets et nous choisissons les projets que nous pensons seront les plus efficaces. Tout projet soumis pour être financé par le programme Self-Help doit avoir pour objectif d'améliorer les conditions socio-économiques des populations, des communautés locales et des villages. Nous analysons chaque projet pour voir ce qui sont les biens proposés qui vont avoir un impact sur les communautés, surtout pour les jeunes et les filles. Chaque année, je visite quelques projets pour voir les résultats de le financement. Les projets qui créent de l'emploi et produisent des compétences commercialisables, notamment des centres d'apprentissage et élevage, sont couronnés de succès. À Kédougou, 2 projets ont été retenus. C'est un projet de transformation des produits locaux avec les femmes. Et des projets de sensibilisation sur les cas de violence dans la région de Kédougou. Vous savez, Kédougou, c'est une nouvelle région. Donc, il y a beaucoup de cas de violence. Self-Help est un programme d'assistance communautaire qui permet à l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal de financer les micro-projets de développement provenant des communautés locales. Une attention particulière est accordée aux projets qui ont le potentiel de générer des revenus qui seront déposés sur le compte des associations afin de bénéficier à tous les membres.